Julien Gorius, een Franse voetballer die op 17 maart 1985 werd geboren. Na passages bij FC Brussel, KV Mechelen en Racing Genk speelt hij 31 jaar later in China, bij Zhangchung Yatai. Het verhaal van hoe een jongensdroom werkelijkheid werd. In 1990 startte Gorius in de jeugdopleiding van FC Metz, zijn geboortestad. En al snel wist de jonge Fransman dat hij van voetbal wel zijn beroep wou maken. J'ai durant toute mon enfance travaillé pour essayer de devenir footballeur professionnel parce que c'était mon rêve de gamin. Après, c'est sûr qu'on n'a jamais de certitude. Moi, j'ai commencé à vraiment y croire à partir du moment où j'ai commencé à m'entraîner avec l'équipe première du FC Metz. Puis par la suite, j'ai signé mon premier contrat professionnel, non pas à Metz, mais au FC Brussels, en Belgique. Et c'est là, à partir de ce moment-là, que bon, j'ai su que voilà, mon métier, ça allait être footballeur professionnel. Mais depuis l'âge de 12 ou 13 ans, j'ai quitté ma famille pour pouvoir justement essayer d'atteindre cet objectif de footballeur professionnel. Donc c'est pas facile, mais bon, au final, c'était une satisfaction d'y parvenir. In 2005 kwam de toen nog onbekende Gorius naar België. Na twee seizoenen bij FC Metz, op het hoogste niveau in Frankrijk, koos Gorius voor een avontuur bij FC Brussels. Een echt grote aanpassing was het niet voor hem. Moi, je suis originaire de l'est de la France, à quoi, une heure de la Belgique en voiture. Donc, je suis déjà allé pas mal de fois en Belgique avant. Aussi, c'est un pays qui parle la même langue que moi. Donc, pour moi, allez, je veux dire, c'était pas un grand changement en soi. C'était presque comme la France, malgré que le pays parle deux langues en Belgique. Mais pour moi, vraiment, c'était comme si j'étais en France, en fait. In het begin van dit jaar koos Gorius ervoor om België te verlaten. De Fransman vertrok naar Zhangchung Yatai in China. Een transfer die ook moeilijkheden met zich meedroeg. Niet alleen voor hem, maar ook voor zijn familie was het een grote aanpassing. Clairement, ça a été totalement différent. Quand je suis parti de France en Belgique, il y avait très peu de différences. Quand je suis parti là, en Chine, je suis arrivé dans un autre monde. Il a fallu vraiment de longues semaines à m'adapter à la culture, à m'adapter au niveau du football. Et pour ma famille aussi, ça a été très difficile, au point qu'ils ne se sont jamais vraiment véritablement installés avec moi là-bas. Ils faisaient souvent des allers-retours, mais rester là-bas, c'était difficile parce que aussi un problème au niveau de la langue. On était dans une ville du nord de la Chine où très très peu de personnes parlaient l'anglais. Donc pour communiquer, ça, c'était vraiment difficile. Donc oui, il faut, je crois, pour vraiment bien s'intégrer, il faut, je pense, signer plusieurs années en Chine, parce que la première année, c'est vraiment compliqué. Vooral op het gebied van taal kende hij problemen. In het gebied waar hij woonde, spraken maar enkele mensen Engels. Maar niet alleen in het dagelijks leven had hij taalproblemen. Ook bij wedstrijden en trainingen verliep de communicatie met zijn trainers en medespelers niet van een leien dakje. On avait un traducteur qui traduisait les consignes du coach en anglais, parce qu'il y a seulement 4 joueurs étrangers par équipe. Le reste sont essentiellement des joueurs chinois et pratiquement aucun d'entre eux parle l'anglais. Donc c'est difficile de se faire comprendre sur et en dehors du terrain avec les joueurs. Et ça, il a vraiment fallu du temps. Gorius kwam in 2005 aan bij FC Brussels. Al snel veroverde hij een basisplaats in het elftal van trainer Albert Cartier. Zijn eerste doelpunt op het allerhoogste niveau herinnert hij zich nog heel goed. Le club Brussels contre le Standard de Liège. Standard de Liège. Standard de Liège, oui. C'est bien. Oui, c'est bien, surtout qu'on avait gagné ce match. Et allez, je veux dire, c'est quand même des équipes du top. Et gagner ce genre de match, c'est toujours bien. En plus, c'est vrai que ce soir-là, j'avais réussi à marquer mon premier but en professionnel. Donc, ouais, c'est un souvenir qui restera longtemps gravé dans ma mémoire. In het seizoen 2007-2008 degradeerde Brussels naar de tweede klasse. Voor Gorius was dat echter geen probleem. Er was namelijk genoeg interesse van verschillende andere clubs. Uiteindelijk koos de Fransman voor KV Mechelen. Een slimme zet, zo blijkt achteraf. Parce que je savais que c'était une étape supérieure à celle du Brussels, mais pas non plus une
une grande différence entre les deux équipes. Donc je savais que pour ma progression, c'était peut-être plus judicieux de jouer dans une équipe du sub-top plutôt qu'une équipe du top. À côté de ça, j'ai continué à vivre à Bruxelles, une ville où je me sentais très à l'aise. Parce que entre Malines et Bruxelles, la distance c'est pas très éloignée. Donc voilà, tout ça a fait que j'ai choisi d'aller à Malines plutôt qu'ailleurs. In zijn eerste seizoen bij KV Mechelen bereikte hij meteen de finale van de Belgische beker. Hoewel Mechelen de wedstrijd verloor met 0-2 van Racing Genk, houdt hij er toch een goed gevoel aan over. Ça reste une petite déception parce que ce match-là, malheureusement, on a perdu un joueur à cause d'une carte rouge après une vingtaine de minutes de jeu. Et quand on joue contre une équipe du top avec un joueur de moins dans des matchs importants, ça fait la différence et c'est ce qui a fait basculer le match selon moi. Parce qu'à 11 contre 11, on avait durant les 20-25 premières minutes montré qu'on était à un niveau égal à cette équipe de Genk. Mais après, l'expérience des grands moments, le fait d'avoir joué avec un joueur de moins, a fait basculer la balance du côté des Limbourgeois. Mais malgré tout, malgré la défaite, ça reste un de mes meilleurs souvenirs parce que jouer devant beaucoup de personnes, devant toute ma famille, pour un trophée, c'est quelque chose de particulier. Zowel in 2009 als in 2011 werd Corius door de supporters van Mechelen verkozen tot meest verdienstelijke speler. Al snel groeide hij uit tot een van de sterkhouders van Malinois. Dat leverde hem in 2011 de aanvoerdersband op. Een klein detail dat extra druk legde op de schouders van de Fransman. Ouais, ça a été une plus grande motivation, mais aussi un peu plus de pression à supporter, parce que quand on est capitaine, on doit sans arrêt montrer l'exemple, sur et en dehors du terrain. Ça m'a permis aussi de prendre plus confiance en moi, et ça m'a peut-être aussi permis de faire un transfert par la suite. Corius stond en staat vooral bekend om zijn inzet en zijn verfijnde traptechniek. Bij Mechelen en vaak ook bij Racing Genk nam hij alle vrije trappen en strafschoppen. Dat zorgde ervoor dat Corius in maart 2014 de beste strafschopnemer was van Europa, met een gemiddelde op dat moment van bijna 96%. Dat is best logisch te noemen als je weet hoeveel tijd Corius stopt in het analyseren van strafschoppen. J'essayais beaucoup aussi d'analyser les déplacements des gardiens, leur manière d'anticiper sur les penalties, et ça m'a aussi beaucoup aidé. Et vous saviez devant un penalty dans quel ouais. côté oui. Oui, oui, parce que encore une fois, j'essayais d'analyser les gardiens adverses. J'essayais de me mettre à leur place et effectivement, avant de tirer, je savais à chaque fois où est-ce que j'allais tirer. Parce que je crois que c'est une mauvaise chose de choisir au dernier moment. C'est à ce moment-là peut-être qu'on fait des erreurs. Et le fait d'être sûr de soi, de se dire « Ok, aujourd'hui je tire à droite, aujourd'hui je tire à gauche », ça me permettait de me rassurer et surtout de ne pas penser à ce qu'allait faire le gardien devant moi parce que certains essayent de vous déstabiliser. In 2012 koos Corius voor een nieuwe uitdaging in zijn carrière. Na KV Mechelen kwam Racing Genk. En ook voor die keuze heeft hij een logische verklaring. Ja, parce que ça, encore une fois, ça me permettait de faire une progression dans ma carrière. Je suis passé d'un club du sub-top à un club du top. C'est ce que je recherchais depuis le début. Genk, parce que les infrastructures du club étaient de très bon niveau. Parce que le club allait jouer en Coupe d'Europe, ce que j'avais jamais pu faire auparavant. Donc encore une fois, ça montrait une certaine progression. Et puis parce que le discours de Gunther Jacobs à l'époque m'avait convaincu aussi. Op 9 mei 2013 veroverde hij meteen zijn eerste trofee met Genk. De Limburgers wonnen de beker van België na een 0-2 zege tegen Cercle Brugge. Ook in de Europa League draaide het vlot. Na doelpunten tegen Kiev en Rapid Wenen werd Corius al snel Mr. Europe genoemd. C'était, allez, au jour d'aujourd'hui, ça reste mon meilleur souvenir à Genk avec la victoire en Coupe de Belgique. Ouais, mais en Coupe de Belgique. Mais c'est vrai que les matchs européens, on a montré qu'on avait vraiment une très très belle équipe et on a eu des résultats fantastiques. On a été, comme vous l'avez dit, gagné à Kiev, mais aussi à Lisbonne, à Bâle. Pendant 2 années d'affilée, on a fini premier de notre poule et on était pourtant pas favori. Donc voilà, ça montre qu'on avait à ce moment-là une très très bonne équipe qui arrivait à se sublimer dans les grands matchs, mais qui en championnat parfois éprouvait quelques difficultés. Corius bereidt zich nu voor op een transfer in januari van volgend jaar.
Of dat naar een club in België is of niet, dat weet nog niemand. Maar... C'est possible, oui, c'est possible. Parce que aujourd'hui j'ai vraiment besoin de nouveau être avec ma famille. Après, est-ce que ça sera la Belgique, est-ce que ce sera un autre pays en Europe? Honnêtement, aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Je viens seulement de revenir de Chine. Maintenant, c'est la période de vacances, mais je continue à venir m'entraîner tous les jours pour pouvoir être en forme en janvier quand je vais m'engager dans une autre équipe. Mais clairement, c'est une possibilité, oui, de revenir en Belgique. Et c'est même certainement la plus grande des possibilités. De Franse middenvelder werkte in België al samen met veel trainers. Maar een favoriete trainer, die heeft hij niet echt. Il y a des entraîneurs qui ont énormément compté, comme Marc Brace, parce qu'il a réussi à me développer en tant que joueur. Il y a Albert Cartier qui a évidemment aussi énormément compté, parce que c'est lui qui m'a donné ma chance. Et puis il y a d'autres entraîneurs aussi sur lesquels je vais énormément apprendre, comme Peter Mas, avec qui j'ai toujours eu de bons rapports. Par sa manière à motiver ses joueurs, à réussir à tirer le maximum de ses joueurs. Ça, c'est une véritable qualité. Un entraîneur comme Emilio Ferreira m'a énormément appris, malgré que j'ai peu travaillé avec lui, m'a énormément appris sur le plan tactique, où c'est sûrement le plus doué de tous les entraîneurs en Belgique. Naar welke club Gorius in januari vertrekt, weet nog niemand. Het zou dus goed kunnen zijn dat we hem binnen enkele weken weer kunnen bewonderen op de Belgische velden. Welke keuze hij ook maakt, Julien Gorius is en blijft een naam om te onthouden.